Et salut à tous, c'est Polo. Aujourd'hui on se retrouve en XT dans les chemins et les chemins enneigés. Alors on va voir ce que ça donne. Là pour le moment il n'y a pas grand chose, mais l'objectif c'est de monter jusqu'à la loge des gardes. Pour les connaisseurs, la loge des gardes, j'y vais tout le temps, mais pas trop par les chemins, encore moins enneigé. Donc on va voir ce que ça donne, parce que la neige, il paraît que ça glisse. Et ouais, j'y ai déjà vu que ça glissait. Ouais, j'y revois encore là. Ouais, je pense que ça va être très compliqué. Là pour le moment, il n'y a rien. Il y a de la terre, donc ça va encore. Mais on voit pas les ornières, rien. Je suis persuadé que ça va être très compliqué de monter. Il faut savoir que la loge des gardes, c'est une station de ski. Hein. À 1200 mètres, donc arriver au bout, et il y aura de la neige. Et beaucoup. Donc on verra si on y arrive. En plus, attends, je lève mon casque. Hop. En plus, j'ai des Mitas E07 en pneus. Et ils sont quand même bien usés. À l'arrière, du moins. Ah, c'est beau, hein. Et ça va être long, parce que putain, si je monte à 20 km/h tout le long, et ça va pas aller en s'arrangeant. Ah ouais, on commence à voir un peu plus, hein. Et ouais, hein. Je pense qu'il faut garder son filet de gaz et hop, et monter. Alors c'est gelé dessous, je le sens, je l'écoute. Hop, ça glisse. Ah, l'arrière il bouge, hein. Alors je peux te garantir que je vais pas arriver à la loge. Ouais, parce que je suis dans les montagnes, ça grimpe, hein. Je sais même pas si c'est là que je passe d'habitude. Je crois que d'habitude, je continue là-bas. Si, je continue là d'habitude. Ouais, c'est ça d'habitude. Putain. Ça va être impossible. Ok. J'aimerais bien au moins aller jusqu'au carrefour, la route là-bas, mais elle est loin. Putain, je fais de ces travers, oh. Ça va mieux dans les sapins, là, sous les sapins, il y en a moins. Bon, deuxième, c'est quand même plus souple et ça passe, hein. Allez, voilà. Là c'était chaud là. Waouh.
Dès que ça monte un peu. Ah, je vais jamais y arriver. Voilà. Je suis tout en travers. Voilà. Pas simple. Putain. J'y arrive pas. Allez, radère, radère, radère. Ça radère pas, putain. J'arrive pas à me mettre debout. Ok. Putain, j'y vois plus rien dans les lunettes. J'ai de la buée. Putain, je vais m'arrêter sur le plat là. Putain, mon gars. Waouh, y'a rien qui adhère. Ah, j'ai froid au doigt, j'y vois rien. Je vais m'arrêter là 2 minutes. Hein. Oh putain, j'ai fait 1 km, 2, ça rien, je suis mort. Ah, hey, j'ai froid au doigt. Allez, je m'arrête 2 minutes et on recommence ça. Allez, on est parti. Ah mais je crois que j'arrive sur la route, allez. Ça va être dur là parce qu'ils ont mis la neige, t'as vu? Ah. Ah, je continue pas tout droit, les gars. C'est sûr. Ouh, petite photo là. Je continue pas tout droit, les gars. C'est sûr. J'ai refait 100 mètres. Je suis KO. Je peux pas continuer tout droit. J'ai pas une enduro. Je crois que cette vidéo a été assez dure comme ça. Je te laisse là. Sauf si je retrouve 2-3 chemins. Mais je pense pas. Alors, merci à toi de m'avoir regardé. La neige dans les chemins, c'est dur, ça glisse. Surtout avec moto, avec les pneus un peu lisses. Parce que si ça adhérerait encore, les endroits où ça adhérerait, j'arrivais à me mettre debout. Et en deuxième. Franchement, ça allait. Ouais, faire gaffe, j'ai pas trop de freins avec les freins à disque quand il y a de la neige. Ouais, voilà, ça allait les endroits qui adhéraient. Deuxième, debout, ça passe. Mais avec les mitas 607 lisses, ah bah mon gars, j'en ai chié. Alors sur le plat, il y aurait pas de problème en fait. Et voilà, quand la neige, elle est dans les montagnes. Donc les montagnes, c'est pas plat. Alors voilà. Je te laisse, je te fais un V, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Ou encore une fois, j'en chie dans les bois. Ah, mais là, c'est physique, hein, mon gars. Putain. T'as froid aux doigts, t'as chaud un peu en haut du corps. Je suis peut-être trop habillé, mais bon. Tu sais jamais, tu sais. Parce que là, regarde, là, je vais repartir sur route, du coup. Parce que j'en chie trop, là.
Donc sur route, je ne serais pas trop habillé. Dans les chemins, j'étais trop habillé. C'est compliqué, hein. Allez, je te laisse.